Le but de ma présentation est double. Tout d'abord, je voudrais vous proposer donc une information qui vous permette de mieux situer le Coran dans son contexte historique et de mieux comprendre aussi comment l'islam en tant que religion s'est construit par rapport à ce texte. Et deuxièmement, vous donner une indication, parce que nous ne pourrons pas aller plus loin, nous avons peu de temps, une indication sur des problèmes qui vous intéressent sans doute davantage, à savoir les rapports du Coran avec le problème du dialogue, de la vision de l'autre, du respect de l'autre et de la non-violence. Parce que tout le monde en a parlé. Ce que j'ai constaté lorsqu'il y a eu de gros problèmes, par exemple comme le 11 septembre, d'un côté, il y avait des gens qui se sont affolés en disant vraiment, voilà, quelque chose de sauvage. Enfin, l'islam représente quelque chose de sauvage, le Coran représente quelque chose de sauvage. D'autres personnes, au contraire, qui ont dit non, ce n'est pas comme ça. Mais en réalité, on n'a pas expliqué pourquoi ce n'est pas comme ça. Donc, je vais essayer de vous donner au moins un élément qui permettra de voir pourquoi ce n'est pas comme ça.